Alexandre Chaloncon, je suis directeur de l'office de tourisme de Belledonne-Chartreuse en Isère et donc je souhaite déposer ma candidature au conseil d'administration de l'APIDAE. Et pourquoi je souhaite le faire? D'abord, juste pour situer mon parcours, moi j'ai suivi une formation d'aménagement du territoire et je me suis spécialisé dans le développement touristique. Et ça m'a amené à aborder différents aspects du tourisme, d'abord sur la partie projet de territoire, projet stratégique, aussi plus sur la partie opérationnelle de création d'infrastructures et d'équipements, et puis aussi sur la partie commerciale, exploitation de sites touristiques, et puis maintenant office de tourisme, plus sur la partie promotion et communication. Et dans ce cas-là, moi, j'ai été amené à être, on va dire, utilisateur proche ou lointain d'APIDAE. Parfois lointain simplement pour fournir de la donnée, et puis parfois proche, comme aujourd'hui, parce qu'on exploite et on crée de la donnée et on organise la donnée au quotidien à travers l'outil APIDAE. Et dans mon office de tourisme, j'ai fait en sorte qu'APIDAE devienne vraiment l'outil de référence pour le traitement de la donnée. Au départ, j'ai plusieurs bureaux d'information touristique qui sont en station et tout le monde n'était pas utilisateur de l'outil. On a fait en sorte que chacun l'utilise de manière standard et ça devient notre outil de référence. Et moi, en tant qu'utilisateur quotidien, j'ai envie de contribuer à son développement, à son pilotage. J'ai aussi envie de participer aux réflexions ou aux interrogations, en tout cas, qu'on peut se poser pour préparer l'avenir, adapter l'outil APIDAE aux usages qu'on pourra connaître plus tard. Et puis enfin, parce qu'à travers APIDAE, c'est tout un réseau, donc ça permet d'être en contact et d'échanger avec des partenaires. Bon, pour ces raisons-là, je souhaite être administrateur.